So I just explained Grissa. I'll film before the other actually participants are arriving because we're not for sure allowed to film them. I brought Grissa there. It's called Atelier des Chefs, the workroom of the chefs. It's kind of interesting. You actually cook with the chef for like 30 minutes and after they transfer you here and you eat what you just cooked. And Grissa was not knowing where we were going. It was a surprise. So how do you like it? Huh? Let's wait. This is the place and I really like the workroom. You can see the sky. They prepared already all the ingredients. And as far as I know, today is pasta sotto with chicken. And yesterday she just had a risotto. So that's perfect. So pasta, dried tomato, pine seeds and like garlic clove, one lemon, spring onions or onions. Wow. Babe, they're starting. They're starting. And after that's what he said, if you want to learn about praying. So what's your name? Okay, welcome. My name is Chef Remy, like a little rat, a ratatouille. First we need to slice onion, but we don't want to crush it because inside each leaf we have suffer. Suffer with air, you cry if you crush. If you slice, no problem. Look my finger, not like this, in a crochet. And my the nice touch my finger, okay? And don't crush it, slice, okay? Lovely, gently, and you don't cry, okay? You listen. It's because it's like, I think it's actually the particles, when you crush it, it explodes. Yeah. And it goes in your eyes. Air will suffer, yeah. You cry, okay? Like this. Et on va mettre, on a une poubelle commune ici, et vous mettez tous les oignons dans le même bol. Si c'est trop chaud, ça va venir brûler. J'ai besoin d'avoir une huile vraiment très très chaude. Comment savoir si elle est chaude? Elle fume. Exactement. I need a very hot temperature of my olive, ok? I need... De l'acidité avec le verre de vin blanc. Ce n'est pas une obligation, mais ça donne de l'acidité. Ok? In my work, we have the part brown, the name, French name, the sucre. We need to deglass with the white one to have more tasty. Ok? You can deglass. Allez, vite. Yeah. Oh, là, oui. Et maintenant, dès que tout le gingembre est évaporé, on va rajouter notre bouillon de légumes, c'est les bouillons arrière. So right now she's adding chicken broth. C'est un bouillon cool. Hein? C'est pas un bouillon cool. C'est du bouillon quoi alors? Légumes. Ah, bouillon de légumes, ok. Voilà. So veggie's broth. Maintenant, je mets un peu de... I thought it was chicken. Voilà, et un centimètre au-dessus maintenant. Mélangez bien. Comme ça, on est sûr que ça va pas coller. Si on mélange bien, et encore un peu pour vous. J'ai lancé le timer, et on... Voilà, c'est bien. Et après, on peut le faire encore plus fin. Vous voyez, mes doigts, je les garde au plus près jusqu'à la fin. Parfait. Faut le presser? Oui, il a dit qu'il faut le presser. Ah bon? Je vais le presser là-dedans. Oui, c'est bon. Non, merci. Non, c'est bon, il y aura de la place encore. Est-ce que tout le monde est là? Pas encore. Finissez vite le poulet. On prend deux comme ça. Mettez-vous vraiment à plusieurs. Là, c'est trop gros. Vous allez redécouper par la planche. N'attendez pas, il faut être plus rapide. Faster. Et là, regardez les morceaux maintenant. Vous voyez celui-là où il est un peu large aussi. Je peux le retourner maintenant, vous voyez. Et là, on fera une deuxième fois après. On reviendra après. Débarrasser les premiers morceaux, même si c'est pas tout à fait, on va les remettre à cuire après. Voilà, plusieurs. Remettez de l'huile d'olive. S'il le faut.
éliminer les autres morceaux de volaille. C'est trop bon. Be brave. Nice. Déco avec la crème de balsamique ou maintenant c'est en besoin de faire. On va mettre en copeau par-dessus. Ok, we need to dress now your oil design. Ok, first pasta, after chicken, and after we have parmigiano. Ok, with the chili. Parmesan. On lui laissera faire son assiette parce qu'elle mange que très très peu. Et après, elle le fait en très peu, ouais. En dernier. C'est avec elle qu'il faut en nettoyer. Oh, le carnage. Waouh. Et n'oubliez pas de sourire, hein. You want me to do yours? Please, thank you. You tell me how. Fine? Non, c'est fine. Just go on the table, babe. Ah non. Keep it. Yeah. Oh. Juste deux, ouais, voilà, c'est parfait, voilà, ça ira bien. Voilà. Babe, attends, hein? The parmigiano, we'll do it after. No, they are already, we have to do it now. Yeah, yeah, she will grape it like this, look. Voilà, c'est chacun. Vas-y. Oh, wow. Oh, wow. C'est grave, c'est grave. Yay, we designer. What's this? Vinegar. So, how is it? I'm not into pasta, but this I can finish. So good. Honestly, really? Honestly good. Mm-hmm. I asked him to remember it, because if he cooks like this, I will eat it. So good, because it's different. It's because of the citrus. Yeah, that's what he said. You know, the pasta is actually cooking in his own broth. So that's why the pastas are very light. It has citrus juice. Yeah. So it's really good. So you think you can finish that? I can. Well, let's see. It's really hard for me to press your heart. We're always arguing because of this. Yeah. He's mad at me because I cannot eat his food. This I can eat. So for the report, you were able to finish your meal. I did. And for the record, and you're taking like a dessert. A dessert from our chef. He made it himself, so I want to try.